Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on est toujours dans le programme PPL et là, on est dans le pool, d'accord? On va tirer, on va se faire mal, ok? Donc, dans ce programme pool, ça sera le dos et les biceps, ok? Et aussi à la fin, un exercice trapèze tranquillement. Donc, prépare tes haltères, prépare ton dos et on commence. Bon, premier exercice, on va faire du bûcheron avec haltères. Alors, il y a plusieurs méthodes de le faire. C'est soit tu mets une jambe sur le banc, hop, tu envoies ton haltère. Soit tu mets ton bras et tu envoies ton haltère, tu as un peu plus d'amplitude. Moi, je vais faire celle-ci. Mais toi, fais celle qui t'arrange le mieux. Pardon. Donc, je vais faire celle-là tranquillement. On va se faire 4 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Hop, c'est parti. Une, deux, allez, trois, on construit le dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, l'autre bras. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je mets mon temps de repos et je mets mon petit trait. Là, je suis KO. Je te cache pas, je suis en train d'enchaîner ce programme-là avec celui que j'ai fait juste avant, le push. Oh, comment te dire que je suis mort? Mais c'est comme ça que on dépasse ses limites. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Repos, comme je t'ai dit, 1 minute 30. On va patienter, on va prendre notre temps. La minute 30, ça va nous faire du bien. Il me reste un peu de BCA. Mais bon, on sait que les glaçons ont fondu. Ça va me faire du bien. Allez. Oh. Bah sinon, je tiens quand même à tous vous remercier toujours hein, pour les j'aime, les commentaires, le soutien, les partages, les messages, que ce soit sur Instagram, sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de la force et de la reconnaissance que vous avez envers mon travail. C'est pas facile de faire des programmes, de faire des vidéos, on va dire, quotidiennement, non, mais régulièrement, c'est pas facile, c'est dur. Mais bon, on s'accroche. Et on continue à proposer du beau contenu. On y va pour la deuxième. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Tu le connais ce mouvement. Tu le connais. Allons, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq. Allez. 6, 7, 8, 9 et 10. Celui-là, on a l'habitude de le faire ensemble. On a l'habitude, je ne suis pas obligé de te dire comment bien te placer et tout. On a l'habitude, c'est le rowing avec haltères. On l'a bouffé dans les programmes dans ma chambre, dans les programmes au garage. On a fait du bûcheron haltères. On est à deux, tranquillement. On va s'en faire 4 et après on va passer à l'exercice suivant. Oh. Là je regarde le programme, j'ai mis le shrug en dernier, mais je vais pas mettre le shrug en dernier. Je vais mettre hop dos shrug et on va terminer avec les biceps tranquillement, sachant que le programme biceps il va faire assez mal. Donc c'est là où je me dis est-ce que dame s'il va tenir? Mais bon, si tu vois cette vidéo, c'est que dame, c'est la tenue. C'est très très bien. Repos. On est à 1 minute, tranquillement. Comme je t'ai dit, 1:30. On va pas prendre 1 minute, on va pas prendre 30 secondes. On va prendre 1 minute 30 et on va bien repartir. Le dos, c'est un de mes points faibles. Donc, je me concentre, histoire de bien le ressentir. C'est important. Hop.
Bien entendu, tu peux t'échauffer en faisant des tractions en premier exercice. Moi, j'ai pas fait les tractions parce qu'avec mon setup lumière, c'est assez chiant de mettre au-dessus de la barre de traction. Mais tu peux t'échauffer avec les tractions. On part pour la troisième. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf et dix. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, hop, je mets mon temps de repos tranquillement. Mon troisième trait, il en reste une. En fait, là, je me sens fatigué, mais quand je pousse, je me sens bien. Donc, je pense que quand je vais faire les bras, je serai tranquille. Je serai bien. Ou, deuxième exercice, on est sur du rowing barre cette fois-ci. Donc là, je vais me sentir bien. Oh. Allez. Là, comme je t'ai dit, dans le premier exercice, enfin dans la première séance là, de push, je ressors d'une semaine incroyable, les mecs. J'avais mangé tout et n'importe quoi. Tous les fast-foods, j'ai tout fait. J'ai pas fait pizza, mais j'aurais pu faire pizza. J'ai refusé de faire une pizza, carrément. J'ai fait restaurant grec, tacos, McDo, Burger King, Quick. J'ai tout fait en une semaine. Jusqu'à. Mes parents, ils ont acheté une pizza, ils m'ont dit, ouais, viens, on a pris une pizza. J'ai dit, non, là, c'est trop. Ouais, j'ai dit, non, non, là, non. Ils m'ont dit, on t'a laissé une part, j'ai fait, me laisser rien, manger tout. Même moi, j'ai abandonné, j'ai trop mangé. Donc là, il faut que je me déchire. Fatigué ou pas, il faut que j'envoie, il faut que je me déchire. Avec ces programmes-là, mais aussi en salle de sport. C'est le plus important, parce que mine de rien, là, je fais quand même une vraie séance. 1 minute 30, on repart. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. Hop, je mets mon petit trait tranquillement. On est bien. Je mets mon temps de repos. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, on passe au rowing bar. D'accord? Tu peux faire cet exercice aux haltères. Mais moi, avec la barre, j'ai une meilleure sensation. Donc si tu as une barre, fais-la à la barre. Si t'as des haltères, fais-la aux haltères, sachant que j'ai déjà fait du rowing aux haltères. Donc si tu sais pas le mouvement, regarde-le. Avec la barre, c'est pareil. Tu prends ta barre. Moi, j'aime bien faire un petit soulevé de terre et je me place et bam. Sachant que je prends la barre en pronation là. Je la prends comme ça. Je la prends pas en supination comme du curl biceps. Parce que le problème, c'est que si je la prends en supination, c'est mes biceps qui vont prendre et c'est pas le but. Là, c'est le dos que je travaille. Parce qu'après les biceps, on va les solliciter après. Donc, on part aussi sur du 4x10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. C'est parti. Je surveille bien mon micro parce que j'ai touché tout à l'heure. Hop, on y va. Allez, mon petit soulevé de terre. Et 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets hop mon temps de repos et mon petit trait tranquillement. Hop, voilà. Une. Le rowing, j'aime bien ce mouvement. J'aime bien. Avec mon frérot, je mettais 100 kilos avec les grandes barres et tout en salle. Mais il faut que je repasse ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en salle de sport, ce rowing. Et ça fait longtemps, du moins, que j'ai pas fait une vraie séance d'eau en salle de sport. Parce que j'ai du mal à avoir. À 5 jours dans la semaine de sport, j'ai du mal. En général, je suis sur 2 à 3 séances de sport dans la semaine. Avant, j'en faisais 5 et je sens la différence. Donc, je pense que je vais mettre au PPL. Je verrai. Dans tous les cas, là, je ferai un programme PPL.
Et après, je t'en ferai un autre en salle de sport, amélioré avec des machines et tout. Et je verrai ce que ça peut faire, ce que ça peut proposer. Et voir si physiquement, j'arrive à bien évoluer avec du PPL. Je vais voir ça parce que j'en ai encore jamais fait auparavant. C'est une première pour moi. Même si que ça regroupe des trucs que je fais ensemble, de style de biceps ou pec épaule. Mais à voir, ça peut être intéressant. Parce que c'est 3 séances, c'est 3 jours. Donc ça peut être efficace. 1 minute 15, tranquillement, on va se préparer à repartir. Le temps commence à aller vite pour moi. Ça, ça veut dire que la fatigue, elle est présente. Hop, on repart. Hop, mon pied soulevé de terre. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, je mets mon temps de repos, mon deuxième trait. Oh, ça va aller vite. Allez. J'ai mis mon temps de repos. Prendre une gorgée. Il fait un peu chaud là où je suis. Avec la lumière qui est au-dessus de moi. Qui chauffe un tout petit peu légèrement. Et aussi la température de dehors. Mais bon, comme il est 20h. 20h combien? 20h53, ça va. La température va se baisser. Ça sera un peu plus frais. Ça va faire du bien. Ouh. 40 secondes, ça va. On est bien. On est bien. On est bien. On est bien. Alors, le dos chez moi, c'est un point faible. D'accord? C'est un point faible. Ça a toujours été, je te l'ai toujours dit. Je l'ai bossé. Comment ça se dessiner? Comment ça se tracer? Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. J'ai fait plusieurs programmes, plusieurs stratégies. J'ai fait plus ou moins quelque chose qui a commencé à marcher, mais j'ai pas pu bien m'y tenir à cause de mon deuxième taf, qui est l'audiovisuel. D'accord? Les vidéos pour les clients et tout. Mais on va se construire un dos. Je pense que c'est l'objectif de 2022 et fin 2021, se construire un dos. Et le bas des pecs, bien évidemment, afin d'avoir des pecs complets. Épaules, biceps, triceps, on est très très bien. Les jambes ont commencé à venir en force. Hop, une 31. On y va. Ouf, troisième. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok. Je vais mon temps de repos. Troisième trait. Hop. Il en reste une. Une et on est bien. Comme je t'ai dit, niveau jambes, bah j'ai pris en force. Parce que en squat, avant, j'arrivais pas à pousser 100 kg en squat. Là, je suis à 120, 130, enfin du moins ma dernière séance squat que j'ai fait. Mais faut que je filme les séances squat, d'accord? Faut que tu vois mes squats. Je fais pas des squats où je descends bien cul par terre et tout. Mais ça va. Le mouvement, on va dire, je commence à bien l'appréhender, je commence à progresser. Mes jambes commencent à bien se tracer. Donc on va continuer sur cette lancée. C'est juste que voilà, m'organiser pour venir en salle, c'est dur. Comme pour exemple, demain je vais à la salle pour filmer. On m'a appelé pour faire un shooting photo, d'accord? Un restaurant m'a appelé pour faire un shooting photo des plats pour mettre sur le site et faire des commandes Uber Eats, d'accord? Tu vois, tout ça, c'est des tafs que je peux pas refuser. Parce que comme je t'ai dit, je travaille pas. Et c'est ça qui me nourrit actuellement. YouTube, ça me nourrit pas encore, donc je suis obligé d'accepter des choses au détriment du sport, et c'est comme ça, malheureusement, la vie d'auto-entrepreneur. Oh. On va reprendre bientôt, tranquillement, dans 10 secondes. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop, quatrième trait, on est bon. Je mets mon temps de repos. Bon, tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant. Dernier exercice, toujours pour le dos.
on va se faire des shrugs avec la barre. Cette fois-ci, tu peux la faire avec tes haltères, mais moi je vais la faire avec la barre. C'est plus intéressant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait avec la barre. Et ça me permet d'avoir d'autres sensations. Si tu as une barre, fais-la avec la barre, pardon. Si tu as des haltères, fais-la aux haltères. D'accord? Il n'y a pas de meilleur, c'est juste des sensations qui sont différentes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait avec la barre est devant moi, donc je vais faire ça avec la barre. On va se faire 4 fois 10 répétitions avec 30 secondes de repos. Et je vais essayer de tenir une seconde de contraction. Ok? C'est parti, on y va. Hop! Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ça va faire mal. Je sens que ça va faire mal. Une. Ouh. Ça va faire mal, mais c'est ce qui est bon. Les trapèzes, c'est important de les bosser. Même si tout comme moi, tu les as en point fort, faut les bosser. Parce que tes points forts, comme je t'ai dit, faut pas les négliger. Faut les bosser pour qu'ils soient encore plus forts. Faut savoir que quand tu as des points forts en temps naturel et que tu les bosses, tu peux avoir un point fort meilleur qu'un mec chargé. Pas meilleur qu'un mec de compétition, mais meilleur qu'un mec chargé. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, ok, 7, on prend du plaisir, allez, 8, 9 et 10, très bien. Hop. Voilà, deuxième. Moi, par exemple, mes bras, certains mecs chargés, quand ils voient mes bras, ils font « Waouh !» C'est impressionnant tes bras, j'arrive pas à avoir les bras comme toi et je prends ça comme produit, tu vois. Ou alors, pour avoir des bras comme toi ou un peu plus que toi, j'ai dû envoyer ça et ça. C'est incroyable, d'accord. D'autres personnes, c'est les pecs, d'autres personnes, c'est le dos, d'autres personnes, c'est les épaules. D'autres personnes, ils sont secs naturellement. Donc chacun a son point fort, donc c'est important de l'identifier et le matraquer. On repart. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Ok, je mets troisième trait. On est bien. Hop. Le temps de repos. Ouh. Hey. Ouh. Allez, il en reste une. Après, on passe au bras. On va se fumer au bras. Ah. Allez, on reste concentré. C'est important. On est au milieu de la séance. On est là pour envoyer, même si on a passé une journée assez longue, on a passé une journée de travail, il faut qu'on valide notre séance, c'est le plus important. 30, c'est parti, on y va. 1, 2, allez, 3, ouais, 4, ok, 5, ouais, 6, allez, 7, ok, 8, ouais, 9 et 10. Ok. Oh. Je mets hop, dernier trait. Hop, hop, on est bien. Le temps de repos. Et on est bon. Bon, on prend 2 ou 3 minutes de repos. Et on passe au biceps. Ok, tu l'as vu ma vidéo, 3 exercices biceps. Et ben c'est celle-là qu'on va faire. Ok, on va commencer tout simplement avec du curl biceps en prise marteau. D'accord. Et comme on est chaud, on va se faire hop, on va se faire 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 les deux pour bien se réveiller.
Parce que on est là pour avoir mal. Et comme je t'ai dit, moi, je suis là pour tracer mes bras, les avoir encore plus gros et beaucoup plus beaux. Allez, c'est parti. Hop, on fait 10 d'un côté, 10 de l'autre et 10 les deux. On y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Hop, démarrer. On va prendre 1 minute de repos. Si tu sens que tu es trop fatigué, prends 1 minute 30. Et même si moi tout à l'heure je sens que je suis trop fatigué, je prendrai 1 minute 30. Mais là pour l'instant c'est la première, je prends 1 minute de repos. Comme je t'ai dit, les biceps ça récupère assez vite, ça récupère très très vite. Donc on prend un temps de repos rapide. Ouh. Là, ça m'a réveillé un peu. J'étais dans les vapes tout à l'heure, ça m'a réveillé un peu. Après, je vais pas te mentir, je manque un peu de sommeil. Je manque aussi d'énergie parce que j'ai fait juste un repas dans la journée. Il est 20h, il est 21h là, j'ai juste fait un repas dans la journée. Je me suis levé assez tôt aujourd'hui. Je me suis levé à 4h du matin pour un tournage à 6h. J'ai fait une petite sieste, d'accord, dans la journée de 2h. Et j'ai même pas mangé, c'est incroyable. Enfin, j'ai mangé une seule fois. Ok, 1 minute, on repart, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, on y va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4. Allez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Hop. 2. Temps de repos. Ouh. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça me réveille. C'est les biceps. C'est mon point fort. C'est le point aussi que beaucoup de personnes qui me suivent veulent. Et je suis fier de vous. Parce que la plupart de ceux qui me voient des programmes et qui me disent « Dames, j'ai des renseignements pour les programmes », vous voulez tous des bras, les mecs. En fait, je sais pas si c'est moi qui vous a influencé ou si c'est vous qui aimez les bras, mais je kiffe, les gars. Les bras, c'est la base. Il faut avoir des gros bras. C'est important. Moi, je les ai matraqués, je les ai fumés, je les ai tués. Et même là, je les tue dans mes programmes. C'est pas parce que j'ai des gros bras que je vais me reposer dessus. Je vais encore les matraquer, je vais encore les fumer parce que je veux qu'ils soient contents et je veux qu'ils soient encore meilleurs parce qu'ils peuvent devenir meilleurs. Encore. 57, 58, 59. On repart pour la troisième. Allez. 1, 2, 3. Allez. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, les deux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, hop, je mets mon temps de repos et mon petit trait. 3, il en reste une dernière. Comme je t'ai dit, ce programme-là, c'est pas de la rigolade. Au début, on a fait le dos, ça va, c'était tranquille, c'était bien. Là, on rentre dedans, d'accord? Les biceps, c'est un petit muscle, il faut les fracasser si tu veux vraiment les voir. Comme je t'ai dit, dans la partie push et dans le programme PPL, dans ma vidéo PPL qui va sortir parce que je ne l'ai pas encore faite, ce programme-là,
Il est vraiment fait pour que tu t'arraches, pour que ça te fume la gueule. D'accord? Il n'est pas là pour qu'on puisse plaisanter, il n'est pas là pour qu'on puisse rire, il est là pour qu'on puisse travailler. Je veux que tu évolues. Beaucoup de personnes ont fait mes programmes, les ont suivis. Là, je veux que ce programme-là, vous le suivez aussi pendant plusieurs mois. Je veux que vous progressez avec. Parce que ça, il y a plein de techniques que je te montre. Comme là, bosser 10, 10, 10 les deux. Ça, c'est plusieurs techniques qui vont t'aider à débloquer certaines parties de tes muscles que tu veux bosser. On y va pour la dernière. Allez, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, la volonté, allez, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, 10, 1, les deux, 2, allez, 3, 4, 5, tout dans la tête, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Tu vois, tout est dans la tête. Ça fait mal, c'est pas grave. On bosse, on continue à se faire mal. Ok? C'est plus important, c'est comme ça qu'on évolue, les mecs. C'est comme ça qu'on évolue. Tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe à l'exercice suivant, toujours dans les biceps. Deuxième exercice biceps, on va se faire du curl biceps en supination. Ok? Comme dans mes 3 exercices biceps, on reste comme ça, hop, 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 et on va à 10 reps. 4 fois 10 répétitions, tranquillement. Normalement, tu auras une grosse tension sur le biceps, ça va te faire mal, tu peux baisser les charges si c'est trop lourd, sinon tu gardes les mêmes charges, et on y va tranquillement. Hop, allez, unilatérale, hop, une, hop, deux, allez, trois, ouais, allez, quatre, ouais, hop, 5, allez, 6, allez, 7, allez, hop, 8, allez, hop, 9, allez, hop, et 10. Ouh. Je mets mon temps de repos et mon petit trait, voilà. Ça fait mal, cet exercice fait mal. Après ce qu'on a fait tout à l'heure, ça fait mal. Parce que hop, on travaille le pic, on travaille aussi les petites veines, on est tout le temps sous tension, mais c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça que tu as progressé, c'est comme ça que tu as débloqué certains muscles, certaines parties, que tu as déchiré un peu tes biceps, et c'est important, c'est important. Faire toujours la même chose, toujours des exercices académiques, sans chercher plus loin, sans chercher à se faire mal, c'est bien, mais c'est pas intéressant. Si tu veux vraiment avoir un physique qui se détache des autres, entraîne-toi intelligemment, fais-toi mal de la bonne façon, et là, on se fait mal de la bonne façon. Avec plusieurs petites techniques, plusieurs conseils, on se fait ça. C'est important. Allez, on repart tranquillement. Hop, allez. Une, et deux, trois, allez, quatre, allez, cinq, 6, 7, allez, 8, allez, 9, et 10. Oh. Là, c'est que le mental. Je compte, j'ai mal, mais c'est que le mental et rien d'autre. Tout est dans la tête, tout est dans la tête. Et pour en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de secret plutôt. Il n'y a pas de fais ce programme avec moi. Et si tu allais plus loin, souscris un abonnement ou paye-moi, je te coach. Il n'y a pas de ça. Je te transmets tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait qui m'arrive à ce niveau-là. Je te le transmets. On fait ça ensemble. Je ne suis pas coach sportif. Je ne compte pas être coach sportif. Diplômé du moins pour le moment, je ne compte pas le faire. Je ne compte pas vendre des trucs en coaching pour l'instant, parce qu'on ne sait pas de ce qui me réserve plus tard, mais je compte te transmettre tout ce que je sais pour qu'on s'entraîne ensemble, dans la joie, la bonne humeur, on rigole et on progresse tout simplement. Pour moi, c'est le plus important et c'est le meilleur des partages. Et là, on repart tranquillement sous ces belles paroles. Allez, hop, une,
1, 2, allez, 1, 3, 4, allez, 5, allez, 6, allez, 7, allez, 1, 8, allez, 9, 1, et 10. On est à 3. On est à 3. Il en reste une dernière. Il en reste une dernière. Allez. Après, il reste un dernier exercice biceps. Et on est bon. Après ça, on est bon. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais on n'a rien sans rien. Tu progresses pas si tu te fais pas mal. J'arrête pas de te le dire. Il faut se faire mal. Je te dis pas ça pour rien. Je te dis pas ça parce que c'est joli, parce que c'est beau à entendre. Je fais ça parce que c'est vrai. Je fais ça parce que c'est ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau-là. Et c'est ce qui va te permettre aussi à toi d'atteindre le niveau que tu vas atteindre. C'est de se faire mal. Parce que parfois, je fais une séance, tu te fais mal. Après, tu abandonnes. Mais plus tu abandonnes, plus tu t'éloignes de ton objectif. D'accord ? Abandonner un jour, c'est bien. Abandonner 2, 3, 4, une semaine. Dans la semaine, tu as abandonné 5 fois. Dans le mois, tu as abandonné 8 fois. Dans le mois, tu as perdu une semaine de séance. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut continuer. Une minute, on repart pour la dernière. C'est parti. Allez. Oh. Une. Un. Deux. Allez. Trois. Ouais. Quatre. Allez. Oh. Cinq. Allez. Hey. Six. Allez. Ouh. Sept. Allez. Pouf. 8, allez, 1, 9, allez, 1, et 10. Oh. Ok. Oh. Oh. Quatrième trait. Tranquillement. Hop. Je mets mon temps de repos. Et on est bon. Bon, tu prends 2 ou 3 minutes de repos et on passe au dernier exercice. Biceps. Là mes biceps ils brillent là. Il brille, je transpire, c'est trop. Ouh. Dernier exercice biceps, on va faire du curl biceps avec une petite rotation, tranquillement. Comme mon programme, mes 3 exercices biceps, ben là on le suit, tu vois. Parce que moi, je donne des conseils, mais je les applique aussi. C'est pas en mode, je donne des trucs que je fais pas. Mes conseils, je les applique. Mes programmes, je les applique. Mes 3 exercices, je les applique. Et c'est ce qu'on va faire tranquillement. Donc, curl biceps, rotation, 4 fois 10 répétitions. Une minute de repos, c'est parti. Hop, je rappelle, la rotation, enfin position de départ comme ça, et rotation comme ça, ok? On y va. Hop. Une. Allez. Deux. Ok. Trois. Hop. Quatre. Allez. Cinq. Allez. Oh. Six. Ça fait mal. C'est que ça bosse. 7, allez. 8, allez. 9. Et 10. Oh. Oh. Curl biceps, rotation. Mon petit trait. Le chrono, il part. Là, je commence à brûler. Je commence vraiment à taper dans mes réserves. Parce que là, je transpire. Je sens la fatigue monter. Je travaille vraiment en endurance musculaire là, vu que j'enchaîne mon deuxième programme. Mais c'est bien, j'en ai besoin parce que je comptais faire du cardio à la salle. Bah là, ça fait mon cardio. Oh. Comme je t'ai dit dans les programmes, ce qui est important, c'est le temps de repos. Le temps de repos, c'est ce qui va te faire progresser, c'est ce qui va te faire évoluer. Parce que très peu de gens en salle bossent avec un temps de repos. Très peu de gens en salle. Le temps de repos va vraiment te faire évoluer, va te faire aller loin. D'accord ? Parce que ton muscle va se reposer au temps de repos idéal et tu vas reprendre, tu vas déchirer les fibres intelligemment et tu vas progresser intelligemment. Ok ? Le temps de repos se fait aussi entre les séances, mais dans les jours off aussi. Très important quand tu fais rien. On repart parce qu'on est à une minute. C'est parti. 1, 2, allez, 3, 4, 5,
6, 7, 8, allez, 9, ok, et 10. Oh. Hey. Si je le fais pas, personne ne fera ma place, malheureusement. Si je le fais pas, personne ne fera ma place. Si je le fais pas, personne le fera à ma place. C'est ce genre de phrase qu'il faut se dire quand tu sens que c'est dur, quand tu sens que tu vas abandonner, ou tu dis putain, madame, si me fait chier avec ces programmes, ça me fait mal. Si tu le fais pas, je vais pas le faire à ta place, d'accord? C'est toi qui dois évoluer. Donc c'est à toi de faire ce programme. Moi je le fais avec toi, je t'accompagne, d'accord? Pour aujourd'hui, je t'accompagne. Pour demain, je serai encore là. Après-demain, je serai encore là. Mais il faut que toi, tu sois là, tu vois. Parce que là, c'est une vidéo que tu regardes. Donc, c'est un mec qui a fait le programme et qui va le refaire avec toi en vidéo. Mais t'inquiète pas. Tu te sens que c'est dur, même envoie-moi un message sur Insta. On en parle, on en discute, on se motive. C'est important. 57, 58, on va repartir tranquillement. On y va. Allez. Une. Allez. 2, ouais. 3, ouais. 4, ouais, allez. 5, ouais. 6, ouais, allez. 7, allez. 8. 9. Et 10. Ok. Je mets mon temps de repos, mon troisième. Pourquoi mon truc il marche pas? Oh non, mon stylo il est coincé. Bah c'est pas grave. Mon troisième trait, je resserre mon disque d'alter avant qu'il tombe sur mon pied et que je fasse une fin de séance là. Voilà. Oh. Hey. Je te cache pas, je suis fatigué. Je suis mort. Je suis KO. J'en peux plus. Je transpire. Et tu peux pas savoir, chaque série, ça me fait mal, ça me brûle, ça me fait mal au bras. J'ai envie de me plaindre, mais je vais continuer ce programme. Je vais continuer, je vais jusqu'à la fin. Il me reste une dernière, d'accord? Après, je vais m'asseoir, je vais m'allonger, je vais souffler, je vais crier et je vais encore faire un programme, ok? Parce que je suis comme ça. Je lâche pas. Je vais me reposer quand j'aurai fini. Pour l'instant, j'ai pas fini. Je dois te motiver parce que tu as besoin de moi. Donc, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de me faire mal. Parce que je veux que tu réussisses. On y va, c'est la dernière. On fait ça bien, d'accord? Allez, hop. Hey. Une, on fait ça bien, allez. Deux, on fait ça bien, allez. Trois, on fait ça bien, on a dit, allez. Quatre, on y va. Cinq, c'est la dernière, allez. Six, t'as pas loin d'avoir mal, allez. C'est la dernière. Sept, c'est la dernière, on a dit, allez. Huit, allez. Hop. 9, c'est la dernière là, allez. Et 10. Très bien. Ta séance, elle est validée. Je suis fier de toi. Si t'es arrivé juste ici. Et même si t'es pas arrivé juste ici, mais t'es arrivé au bout de tes limites dans ce programme-là ou dans un autre, je suis quand même fier de toi. Parce que le plus important, c'est d'arriver au bout de ses limites pour progresser. La prochaine fois, tu iras au bout, tu le feras mieux. Et la prochaine fois encore, bah, tu auras encore de l'énergie à la fin de la séance pour placer des abdos ou un petit programme, point faible, supplémentaire, ok? En tout cas, j'espère que tu as kiffé ce programme. Si tu as envie de mettre un programme point faible, je te conseille de mettre une séance épaule ou un petit programme dos supplémentaire si tu veux vraiment t'arracher le dos, histoire d'être vraiment bien. Et donc voilà pour ce programme. Si tu veux l'améliorer, je te conseille de mettre un petit programme dos supplémentaire ou alors un programme épaule si vraiment tu les as en point faible, mais ça niquerait un peu le PPL, donc un programme 2 supplémentaire serait bien, ou alors des tractions en début de séance, ça serait largement suffisant, et là on est bien, pas besoin de rajouter des biceps, parce que ce qu'on a fait là, ça nous a bien détruit, ok? Moi je vais te laisser ici, je vais m'allonger tranquillement, je vais crier un peu, je vais boire de l'eau, je vais mouiller la tête, et je vais voir si je me prépare à faire un dernier programme ou pas, ok? N'hésite pas à mettre un pouce bleu, pardon, j'arrive plus à parler, et un commentaire, ça kiffe, à t'abonner à la chaîne, c'est pas fait, et moi je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine pour la suite.